Si on revient à vous tournez à 90 degrés, vous allez agir sur le deuxième. Et voilà l'endroit du rocker, à peu près ce top, pour, disons, afin de travailler avec le Stellarium ou un autre logiciel en coordonnées à l'unisane. Bon, ça peut faire la digestion, quoi. Alors, l'installation, donc, de la caisse secondaire. On va être vigilant un petit peu sur le... Et là, bon, ben, on va recommencer. Et puis, moi, le montage des tubes de liaison qui sont un peu spécifiques dans le sens où ces tubes, bien sûr, s'écartent d'une valeur égale à la demande de la cage, avec des blocages pour pas qu'ils retombent. Ça nous beaucoup déjà. Alors, ce qui en fait la rapidité, c'est surtout ces parties cylindriques légèrement coniques. Et sur la cage du secondaire, du primaire ou du secondaire, ce sont, disons, ces fixations pratiques. Les tubes à l'arrière possèdent une traque de commande où on agit par ces molettes qui commande ici en bout deux prises hexagonales. Qui vont rentrer dans les têtes d'écrou ici et qui commanderont les leviers sur le vérin. À l'arrière. Ce sera les leviers qui sont ici. Alors c'est le prototype, hein, ça peut être plus simple. Hein. Enfin, disons que c'est la définition. Puisqu'on est en train de regarder le pont du télescope, cette commande, c'est tout simplement, disons, le déplacement des tourillons sur 80 mm et qui permet de... Oh tu montres, je vous... Non mais, c'est si... alors, si mon auditoire s'endort, hein, c'est... arrêtez. Voilà, donc là, on va assembler. Alors pour l'assemblage, bien sûr qu'il faut, débrayer les commandes de façon à, sentir... Et là, par un petit hop, on tente les deux. Vous voyez que là, j'ai promis moins de 2 minutes, hein, parce que c'est l'explication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai mis les tubes inférieurs, ça a enfoncé les commandes du volet. Et ça l'a ouvert. Il n'y a pas besoin d'y penser. Ici, donc, nos angles sont bloqués pour recevoir les fixations de la cage secondaire. On peut tourner, hein, à 90 degrés. Les petits volets, c'est super efficace. Si je mets un croix, je dois faire. Voilà. Et là, on ouvre, il n'y a pas besoin de le ranger parce que maintenant on n'aura pas perdu. Non, non. Et puis on peut recommencer. Vous avez des questions sur la mécanique? Plein d'œil. Mon taxe. Comment? Oh, le poids, alors ça, il n'a pas été conçu pour être léger. Hein. Il est certainement d'ordre que c'est un... je n'ai pas recherché l'économie de poids, tout simplement, parce que le but est de faire un télescope pour tout le monde.